Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, attendez, attendez, attendez. Wow, wallah, je fais des doigts à tous les jours contre toi pour qu'Allah ne t'accorde aucun pardon et qu'il te place dans les étages les plus profonds de l'enfer. Quoi? Non, je pense que je rêve, les frères. Non, non, je rêve pas, purée. Alors, tous ceux qui ont la haine là, écoutez les gars, écoutez cette parole. Un jour, il y a un homme, il est rentré à Médine dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, et avant qu'il rentre, le prophète a dit qu'un homme du paradis allait rentrer. Ça s'est passé une fois. Une deuxième fois, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit qu'il y a un homme du paradis qui allait rentrer. C'est la même personne qui est rentrée. Et une troisième fois. Alors, un des compagnons, qui est Abdullah ibn Amr, a voulu savoir, mais qu'est-ce qui fait cet homme-là pour que le prophète, alayhi salatu wassalam, ici-bas, avant même que cette personne meure, avant, le prophète annonce déjà qu'il fait partie des gens du paradis à trois reprises. Il l'a suivi, il est parti chez lui, il a trouvé une excuse pour rester chez lui. Il a essayé de l'observer. Il regarde, il trouve rien de particulier. Il voit qu'il fait ses cinq prières, qu'il se lève un peu la nuit, etc. Comme tous les compagnons, mais il ne trouve rien de particulier qu'Abdullah ibn Amr, par exemple, ne fait pas. Et à la fin, il lui dit la vérité. Il lui dit, écoute, je t'explique pourquoi je suis venu véritablement, parce que le prophète a dit ceci, ceci, cela sur toi, et je voulais voir, sauf que je n'ai pas trouvé de quelque chose de particulier. Il a dit oui, je fais rien de particulier. Il a dit, excepté que je ne m'endors jamais, écoute bien, sans que mon cœur contient de la haine envers n'importe quel musulman. Et tout bien que je vois qu'Allah Azzawajal donne à une créature, je ne le convoitise pas. C'est-à-dire qu'il a la certitude qu'Allah il est sage et qu'Allah il donne avec sagesse et justice. Bref, si tu veux, Inch'Allah, faire partie des gens du paradis, et c'est ce que je te souhaite, qu'Allah Azzawajal t'accorde les plus hauts degrés du paradis, apaise ton cœur envers la création d'Allah Azzawajal. Apaise ton cœur, mon frère.